Wow, le monde ne cessera jamais de nous surprendre. Un autre pasteur est mort. Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous protège, vous et votre famille. Que Dieu vous donne longue vie et la santé. Après la mort de Tibi Yeshua, Salah Ezomba, un autre pasteur, vient de mourir. Vient de le rejoindre, vient de le suivre. Vient de suivre Tibi Yeshua. Ah! Ah! Que se passe-t-il? Hier, c'était Tibi Yeshua. Aujourd'hui, c'est ce pasteur. Mais avant, cherchons à comprendre qu'est-ce qui l'a tué. C'est la formation que j'ai reçu. On me dit que c'est le petit matin de ce dimanche 18 juillet 2021 que cet homme a été transporté dans une clinique. Et on nous dit qu'il est décédé suite à un AVC. Suite à un AVC. Il est originaire du Cameroun. C'est l'un des plus grands orateurs au Cameroun. Le monsieur est décédé. Est-ce que moi je le connaissais? Mais bien sûr que oui. Les deux qui ne connaissent pas Tibi Yeshua, qui ne connaissent pas le monsieur. Monsieur Salah Ezomba, celui-là même qui à sa chaîne YouTube. À un moment donné, je le regardais. J'ai regardé, il faisait des vidéos avec sa femme. Et vraiment, en commençant déjà par vous dire mes condoléances à toute la famille. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu donne la force à sa femme. C'est toujours pas une bonne nouvelle d'apprendre la mort de quelqu'un. Le monsieur est décédé. Le monsieur est parti. Apparemment, il était dans les soixantaines, peut-être 62 ans. Et il est parti. Je ne sais pas combien d'enfants il avait, mais il avait des gens qu'il aimait, des gens qui le suivaient. Vraiment, que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Le connaissez-vous aussi? Comme je vous l'ai dit, moi je l'ai connu au travers de sa chaîne YouTube. Lui et sa femme, souvent pour raconter des témoignages, il priait, sa femme priait aussi. Vous voyez? C'est comme Tibi Yeshua aussi. C'est sur YouTube, nous tous on l'a connu. Et voilà. Ce sont deux pasteurs célèbres, deux pasteurs populaires. Ce sont aussi des gens qui vendaient des eaux, des eaux bénies. Vous voyez, des eaux bénies, on dit que si tu achètes cette eau, tu bois, tu vas être guéri. Vous voyez un peu ce de quoi il s'agit, non? Souvent, quand les telles personnes meurent, c'est des personnes qui disent que, ah, pourquoi est-ce que cette personne n'a pas bu sa propre eau pour être guérie? Et puis, elle est décédée. C'est ça la complication souvent. C'est ça la complication souvent. Mes frères et sœurs, vraiment, c'est grave ce qui est en train de se passer dans ce monde. Tibi est mort en juin. Je pense que c'est vers le 6 juin. 6 juin. Il n'y a pas longtemps, on l'a enterré. On a fini de l'enterrer. Tout était calme. Boum! À mettre en attente inondation en Allemagne et en Belgique. Ah! Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a eu des morts. Mais avant ça, on a appris que Davido avait perdu l'un de ses collègues. On en a parlé. Le monsieur, tout jeune. Il avait, Jean, ce jour-là, il avait
Il avait, comme on va dire, Jean, il avait du mal à respirer. Voici pourquoi lui-même, il s'est rendu à l'hôpital. Et qu'il est entré là-bas, il n'est plus ressorti vivant. Seigneur. Ça, c'est selon l'information que j'ai reçue. Hein. Ce monsieur s'appelait Obama DMW. Après ça, on a vu une autre personne encore du Nigeria qui est décédée, qui s'appelait Sound Sultan. Toutes ces vidéos, toujours la chaîne. Hein. Non, quand j'ai vu sa femme pleurer, sa femme ne voulait pas qu'on enterre son mari. J'étais vraiment sous le choc. J'étais même plus choqué que choqué. Et yeah, maintenant, c'est yeah! Je suis tombé sur cette nouvelle du décès de ce pasteur-là. Moi-même, j'ai du mal à quoi? Pour moi encore, je pense que c'est de la blague. S'il vous plaît, aidez-moi à vérifier si c'est vraiment, vraiment, vraiment vrai. Aidez-moi à vérifier si vous avez la confirmation du décès du pasteur Salah et Somba. Confirmez-moi cela. Je viens de tomber sur les informations et je souhaite déjà souhaiter la condoléance à sa famille. Comme vous le savez déjà, moi, je ne suis pas du genre à condamner les gens. Vous voyez, non. Ce n'est pas du genre à condamner les gens. Est-ce que c'était véritablement un homme de Dieu? Ça, c'est la question que beaucoup de personnes ici se posent. En tout cas, moi, comme vous le savez, je ne crois en aucun homme. Je ne crois en aucun homme. Qui que vous soyez, même le président, moi, je m'en fous. Hein. Je les respecte à leur juste valeur parce que ce sont des grands frères. On respecte les aînés. Mais pour dire, suivre un homme politique, ou suivre, c'est un pas qui. Non, ça, c'est fini, ça. C'était avant. Maintenant, je suis Jésus. Moi-même, je ne me suis pas. Moi-même, je ne me suis pas de qui à suivre. J'ai les gens qui sont dit, oh, j'appartiens à tel parti politique. J'appartiens à tel parti politique. Ce sont des histoires, tout ça. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. Il faut vraiment s'attacher à Dieu. C'est comme si on va dire que la mort est en train de faire le tour du monde. Chaque jour, il y a des nouveautés. Chaque jour, il y a des nouveautés. Les gens sont en train de dire, oh, rip, rip, repose en paix, repose en paix. Rest in peace. Vraiment, je suis grave choqué parce que je viens de découvrir. Vraiment, c'est triste. Surtout que nous voulons juste parler de la mort de Tibi Yeshua. Donne-moi la confirmation si c'est vraiment vrai ce que tout le monde raconte sur les réseaux sociaux de la mort de ce pasteur Tibi Yeshua, Tibi, non, Salah Esomba, fondateur de l'église Temple des Nations. Je pense que sa chaîne YouTube aussi s'appelle Temple des Nations aussi. Hein. Bon, que Dieu nous aide, que Dieu nous protège et qu'il nous permette surtout d'accomplir sa volonté avant de quitter la terre. On nous dit toujours que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous donne rendez-vous prochain. Restez connectés.